Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Et sur celle-ci, je vais vous apprendre à réaliser ma bûche de Noël pour débutants. Ce n'est certes pas la bûche que vous avez sans doute l'habitude de manger, de voir ou etc. Mais c'est une bûche que vous pouvez faire très facilement et qui ne demande pas beaucoup d'expérience en cuisine. Elle est très rapide à faire et moi, je la trouve quand même excellente. Donc, c'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 100 g de farine, 500 g de mascarpone, 4 œufs, 140 g de sucre, 100 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat noir et un sachet de levure. Pour commencer, mélangez la farine et la levure. Ajoutez ensuite un à un les œufs en remuant. Une fois les 4 œufs ajoutés, ajoutez petit à petit le sucre. Une fois bien remué, vous n'avez plus qu'à mettre votre pâte sur un moule à génoise. Faites cuire en chaleur tournante pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Pendant que votre génoise cuit, faites fondre vos chocolats en les séparant bien avec la mascarpone. Une fois votre génoise cuite, démoulez-la et ajoutez le chocolat blanc sur une partie de votre génoise. Une fois que vous avez mis une bonne couche de chocolat blanc et mascarpone, roulez votre bûche. Il ne vous reste ensuite qu'à dresser votre bûche avec le chocolat noir et mascarpone et un peu de chocolat blanc. Faites ce qu'il vous semble beau, ce que vous avez envie. Comme vous le voyez, je ne me suis pas tellement embêtée pour le dressage, mais j'ai essayé de faire quand même quelque chose de joli, sachant que c'était également ma première bûche. Voilà, écoutez, je tenais absolument cette année à vous proposer une recette de bûche très simple à faire, tout simplement parce que je me rends compte que chaque année, avec mon chéri et toute ma famille, on en a un peu marre de manger tout le temps les mêmes bûches. Et chaque année, je me dis, on va peut-être essayer d'en faire une, mais ça doit être compliqué. Et en fait, je me dis qu'on ne doit pas être les seuls à penser ça, que la bûche de Noël, c'est très compliqué à faire, alors que pas du tout, et vous l'avez vu grâce à cette recette. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi également en commentaire ce que vous allez manger comme bûche cette année. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Salut !